pas relancé. Normalement, il est relancé. Ouais, peut-être. Ouais, donc apparemment c'est bon. Ouais, re tout le monde. Moi je sais pas ce qu'il a eu, mais je sais pas, c'est pas trop ce qu'il a eu, je sais pas. Il a fait sa crise. Il a fait sa crise. La crise d'adolescence. Ouais. Ouais, de tout là. Alors, on est avec qui là, alors? Wesh. Ah, Il y a un flanc t'es la feuille, t'es la feuille de vigne, toi, Nao, là, c'est ça, hein? Ok. Fait que je me rappelle de tout ça. Clé, Istanbul. Wesh. Du bonus. Des personnages, là. Vas-y, on relance avant que ça replante. Il y avait quelqu'un qui était plus rapide que moi. Le groupe est sur le point de se rendre dans une... Oui, je suis devenu chef de groupe. C'est mon chef. Le chef, it's me. It's me. On est bien 8 hein, quand même, hein, j'espère. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Même avec les 3 oiseaux là. Enfin, l'oiseau, le félin et le lézard. Alors, ouais, bon, Yekete, il a renommé un phénix le Gaulois. Il y a quand même un scarabouille. Je veux dire que des fois, c'est la guilde, ça va pas où. Attention. Le meilleur, c'est. Et là, la baston. Le meilleur, c'est. C'est le félin, les autres sont pourris. Non, le meilleur, c'est le Kirou. Familier sur mon rôdeur. C'est lui le meilleur. Je regarde une série de documentaires sur, sur les jeux vidéo. Tu regardes quoi? Player One, une série documentaire. Et c'est pas trop mal, on va pas se mentir. Ah putain, je te dis les leurs. Calin, toi, quoi. Moi je regarde sur Netflix. Ah non, c'est sur Disney. Disney Plus. Moon Knight. Hein. Ah bah moi je me fais comme on regarde gratuitement. Ah ouais, je vais regarder gratuitement sur l'abonnement Disney Plus. Eh ouais. Et sur Prime j'ai commencé. J'ai. Je suis à 4e, 5e épisode sur Picard. Ouais. Oula. C'est lapidé là. Vous savez quoi, on va tuer ça aussi là. Alors je vais dire un truc, mais ça allait être extrêmement raciste. Oh, on va se faire prendre un sandwich. Sandwich. Ah, ouais. Ah, c'est nickel. Genre en fait, c'est blague. Il a fait un sandwich. Quoi, le sandwich? Un sandwich. C'est, on se fait prendre par les deux côtés, quoi. Donc du coup, dans la blague, c'est qu'il a fait un sandwich. Quoi, le sandwich? Il y a un sandwich à la fraise, c'est pas super bon, mais okay.
Mais ça va, ça va. À part si c'est la culture de Thaïs. Restez là, là, pour le bonus. À côté de la cascade, là. Il faut raise Olias aussi à un moment. On le raise après, mais pas seul. C'est pas moi, hein, c'est notre carreau. Hein. Ça me semble. On reste à côté de la cascade. Et asseyez-vous pour vous cacher complètement dans l'eau. Ok. Je sais pas si ça marche. Ah bah non, c'est pas comme ça. C'est slash site. Ah si, c'est ça. Slash site. Moi, je suis trop grand. C'est pas assez profond. Ouais, c'est pas assez profond, on voit mon crâne. Non ? Ok. On va pouvoir monter. Venez. Et vous partez pas par là. Hein. On va à gauche. Ouais, on monte. Si on ne pas prendre la grosse, ce serait mieux. Vu que des fois j'ai la discrétion d'un tractopelle. Ouais, re. C'était le méga plantage. Ouais, j'ai le méga rollback. De toute façon, c'est c'est mon PC qui me punit. T'es pas venu jeudi. Le mur de droite. T'es pas venu jeudi, tu m'as pas prévenu que tu jouerais pas sur moi. Et alors là, vous allez rester ici exactement. Et vous attendez là. Je vais aller tuer le messager de gauche. Et que ça tire tous les lauriers. Ah, c'est juste que comme ça il se barre pas. Ah, par contre, attendez. On va faire descendre tout ça. On va juste tuer tous les insectes, mais n'avancez pas pour les tuer. Parce que là, sinon, ils vont nous emmerder. On laisse venir. Ouais, ouais, ouais. Ah, le rapace que je suis. Okay. Donc restez toujours là. Je vais m'occuper du messager. Le rapace des PO. On va essayer. Mais il y en a deux. Oui, mais je m'en occupe d'un déjà. Quoi, ça marche? On peut l'attaquer sans qu'il bouge. Parce que là, si vous vous approchez, en fait, ils vont tous partir dans une... tous les deux partir dans une direction différente. Voilà. Ok.
Et maintenant, on va aller dégommer le suivant. Le dernier messager. C'est parti. Walalol. C'est bien niveau PO. Hein. C'est good. Le pauvre, ouais. Ah, c'est sympa de... Ouais, c'est bien de connaître ce petit... comment ils appellent ça, là? Ce petit tips. Et tips. En fait, sinon, c'est un peu chiant à faire, parce que quand t'arrives, les deux, ils se barrent d'un côté et de l'autre. Ah, l'insecte, je vais vous buter. Oh, bien sûr, j'ai une piste. Ici, je sens un courant d'air frais. Enfin, si vous y tenez vraiment. Qu'y a-t-il ? Nous devrions organiser une rébellion à Corna. Non, nous enfuir. Nous ne nous enfuyons pas. Nous devons chercher de l'aide à Paris. Non, nous fuyons. Et cet endroit serait idéal pour une embuscade. C'est exact. L'ancien du soleil. Qui va là ? Vous êtes les derniers de votre espèce. Prêts. Sang à tous arrosera ce sol. Vous n'avez pas assez de soldats pour cela. Il a l'air énervé, hein. C'est clair. Et Dark, ton perso, il te ressemble maintenant, en fait, vu que t'as la barbe et tout. T'as pas un espèce de foulard comme ça, IRL? Sous le pont là. On se met sous le pont. Oui, comme ça les archers nous tirent pas dessus là. Ah ouais. On reste dans l'ombre quoi. Voilà. On peut aller le boss. Ah ouais, j'ai passé en nom. Mais carrément le drapeau en dessous du pont. Ouais, le drapeau. Ouais, le drapeau, ouais. Pour les héros. Et sinon il reste pas en dessous du pont et ils sont défoncés. Et Bayel va crever. Faut battre la fin. La fin est proche. Après, j'avoue que ma barbe est plus grande, donc c'est le perso. Hein. C'est rapide son morsure de la fin. Là. Non, c'est sa seule compétence. J'arrive même pas à l'interrupt. En même temps, c'est pas moi. Hein. Ah, tiens, du voyageur. Beau travail, aussi. Il y avait probablement une solution plus simple. Non, c'est le GG, il est pour toi. Ma barbe, elle est pas pareille aussi.
Non, elle est pas pareil. Je viens aussi. Je ne vous en tirerai pas sans moi. Je vous suis. Vous avez fait du bon travail jusqu'ici. Vous m'entraînez dans ce guépier et vous me demandez mon avis. Qui pique les bifets? C'est ma patrie. Et une fête se prépare. Nous pourrons y rencontrer tous les princes. Madame Coro, vous avec nous? Ah, c'est bien deux races qui me font rire, moi. Les centaures et les azures. Comment ils nous considèrent, ces deux-là? Maréchal de guerre, j'ai des nouvelles du général. Le général Veilleul est mort, ainsi que la femme. Mais bon, j'aime bien, j'adore. Comment l'avez-vous appris? Grâce à Abaddon, j'ai une certaine... Je sais faire la voix de Vec. Nous devons choisir. C'est un mélange avec Smeagol. J'ai informé les princes que... Non, parce que Smeagol, c'est comme ça. Avec toutes nos forces disponibles. Smeagol, on reconnaît plus que Vec. Hein. Smeagol, être libre. Parce que elle libérer Smeagol de son emprise. Libre, c'est Dobby, hein, c'est pas Smeagol. Non, non, il y a aussi Smeagol qui... Smeagol est libre. Ah oui? Je sais pas, je pourrais faire Dobby. À quel moment il dit qu'il est libre? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Ça fait longtemps que j'ai pas revu le Seigneur des Anneaux aussi. Si, ça fait 1000 ans. Alors attends. Attends, il est pas si vieux que ça là. Oh, bon allez, vous allez me laisser faire mon imitation de Dobby ou quoi? Mais vas-y, fais tomber. A offert une chaussette à Dobby. Dobby est libre. Eh là, tu me fais même... Ouais. Eh, tu me fais penser au petit lutin dans... Comment il s'appelle là, Harry Potter, là. Bah oui, Dobby. C'est Dobby. Je suis un elfe de maison. C'est... En vrai, c'est peut-être lui. Mais c'est un mélange. Comment dire, Dark. C'est un mélange. C'est un mélange de Toby, c'est un mélange de Smeagol et de Vec. Gollum jeune. Ah, je vais aussi faire Homer Simpson. Non, vous faites moins bien. Ouh, attends. J'ai plus de dettes. Ah bah t'es... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est ce cas. Bon, là-haut. on avance encore. Oh, des donuts. J'aime bien moi les donuts, moi. Les donuts. Je crois que ta quête c'est Kunawe. Alors niveau ce que je sais faire. C'est Titu. Titu Kunawe. Ah oui. Ah bah, ça semble bien. C'est de là qui ça vient, la suite de son nom, hein? Peut-être. Et la quête venir les princes. Ouais, c'est ça la quête, c'est réunir les princes. C'est quoi déjà le nom de la bière? La teuf? La stuff? La... Corona? Non. Ah, d'œuf, non? La d'œuf, ouais, je crois que c'est ça, d'œuf. Ouais, c'est ça, d'œuf. C'est vraiment cette bière. Vraiment, la d'œuf. Bah si tout le monde est prêt, let's go hein. Yes. Je laisse passer le portail. Canon ne y attendait. Bon là c'est des monsieur là qui donnent des bonus, faut les prendre. Je sais pas où on doit aller toi. Hop là, une bénédiction, une.
C'est qui donne? C'est l'éclaireur? Ah ouais. Oui. Mais faut tuer des harpies, faut pas les fuir. Allez, ah bah on peut les tuer, hein. Il faut enfoncer dessus. Allez, vas-y. Je vous proc, Zef. Tu peux rush, hein. Tu peux te faire plaisir. Moi je vais faire déjà le griffon, il fait que des soins à gogo de volonté là. D'abord. Dobby, vous les trois. Donut ajouté au panier. Mais pourquoi je veux pas de l'esprit, je m'en fous moi de l'esprit. Non, la scène la plus triste c'est quand Dobby meurt en vrai. Arrête de spoil là, il y en a qui ont jamais vu. Spoiler professionnel. Ouais, t'as jamais vu Harry Potter toi? Non. Attends, sérieusement, t'as jamais vu Harry Potter? Bien sûr que si. Sinon, comment j'aurais su que c'était double? Franchement, Harry Potter. Le premier, j'ai dû le regarder 3-4 fois sur plusieurs jours. Et par morceaux, tu vois. Parce que je m'endormais. Ouais, mais c'était pour les plus jeunes, tu vois. Quand c'est sorti, pour nous, on était dans l'adolescence. Même moi, peut-être. Ça dépend des gens. Non, mais il n'y a que le premier. Après, ça va. Hein. Ouais, mais après, ça devient plus... moins gamin, tu vois, on va dire. Moins féerique. Au début, franchement... Harry Potter, c'est celui avec la braguette magique. Bon, rentre après, prochaine pop, elle va être en solo, je pense. Hein? Ouais. Oui, une pop en solo où on y sera tout seul. On va poutrer de la harpie. Oui, comme ça, sans gêne. En fait, cette cop, elle m'a marqué parce que... Oula, j'aime pas les scaraboules, moi, là. Les scaraboules, ça fait bobo, ça. Mais non, ça va, c'est... En plus, il est plus... C'est carrément rush, hein, TP, toi. Quoi, il y a des TP? Ouais, hein. Ouais, non, il est plus en TP. Il est encore en TP. C'est un grand danger, ok. Tu devrais avoir ma réplique. Ouais. En vrai, moi j'aime bien le géant barbu, moi. C'est quoi, Hagrid, c'est ça? Ouais. Ah oui, ouais. Hagrid. Bon, je ne saurais pas faire un vrai Hagrid. Mais voilà. J'aurais pas dû dire ça. Oui. Et voilà. On a encore trop dit. J'ai bien moi aussi les deux autres là, les deux parallèles là, les animaux fantastiques, je sais pas quoi là. Ah ça j'ai pas regardé, tu vois. Mais je crois que c'était les avant Harry Potter et tout. Hein. Oui, je sais, c'est avant. C'est avant? Ah, ouais. Ah mais oui, c'est vrai, oui, il y a Dumbledore en vie. Ouais, il y a Dumbledore qui est en vie. Ah bon, parce qu'il meurt. Oh. Non mais je veux dire en vie jeune quoi. C'est plus un déchet quoi. Ouais, c'est plus un papy. Ah, c'est plus un papy qui ressemble à Gandalf quoi. Voilà. Ouh, le pas sauveuse. Un coffre là. Vous avez des clés. Ah peut-être, je sais pas. Ça dépend c'est quoi comme clé.
Il va bien. Ah, moi j'ai des clés, mais je sais pas si elle est mauvaise. Un truc de fou, toi. Non, je ramasserai pas, moi. Une violée, ça. C'est pas. Ah, c'est trop de mal, là. Toby. Genre, c'est Dobby version Gucci, quoi. Lui ou vous, comment ça? L'éclaireur d'une boîte. Il y a eu du changement. Quoi? Ah, c'est une nouvelle. Non, encore. Non, pas. Il va me tuer. Ce sera lui. Ou vous. Comment ça? J'ai pas capté. Et une ref au cinématique de Guild Wars. Qu'est-ce que t'as dit? Pas entendu. Qu'est-ce que t'as pas entendu? Là, je me suis pris un météore sur la tronche, mais ça fait mal. Ouais. Il y a un script. Voilà ce qu'il a dit là-haut, la ref. C'est ce que dit Dargaz dans le chat. Ce sera lui ou vous. Il y a eu du changement depuis. Attends, parce que. Non. Pas. Ah, J'ai l'impression que tu bug Dark parce que je t'entends pas à coup. Ou alors c'est chez moi, mais. C'est parce qu'il s'éloigne de son micro là. Oh, je suis très près. Je me limite en boule. Comme un scaraboule, je me suis mis en concentration sur scaraboule. Position pas du tout confortable. Les jambes croisées et le ventre sur les jambes. Ça c'est confortable. Bah. On n'a pas le même sens du confortable. Boss derviche là devant. Je déconne. Ouais, je vais faire de Super Stitch. Ah, c'est plus ou moins Gollum, ça. Non, c'est un peu comme Gollum, mais c'est une nuance de voix. Une nuance un peu comme Gollum. Pardon, ça ressemble pas à Gollum. Mais après, hein, on va pas se mentir que lui, là, moi, je reste quand même à avoir trouvé les gars. Pas comme si j'en avais des tonnes et des tonnes. Là. Des tonnes et des tonnes. Ce n'est que le début, d'accord, d'accord. Oh, à chaque fois, il y a toujours plein de monde. Yes. Et encore, j'aurais pu dire, allez, on y va en mode HM. Oh non, ça, c'est Nao, ça. Là, j'en fais. Surprise, on doit faire. Le oui, il en fait. Allez, on vit la zone. Bah après, on partira en mode HM quand Nao aura fini tout son HM. On peut y aller avant, hein. Sinon, on n'est pas prêt de partir, j'ai bien peur. Pourquoi? Bah, Nightfall... Nightfall, j'arriverai pas au bout en hard mode. Attends, je vais voir l'éclaireur, je sais pas ce qu'il donne. Trop tard, t'es parti, t'es au combat. Oh, t'inquiète, hein. Non, non, non. Moi aussi, je vais aller.
On fera demi-tour, on va déjà tuer le groupe. Les coéquipiers d'abord. Oui, ils nous ont au milieu, les amis de Sarah. Oui, non. Voilà, allez, oh, j'ai voir le oh yes. L'éclaireur. Prodige. Waouh. Oh, mais ça va, c'est pas comme si ça coûtait cher, ce genre de merde. Non, il donne rien de plus. Mais c'est quoi le prodige? Bah, c'est une pour les enroutes. Après, je dis ça, je dis rien. Mais... Tu n'y comment prodige? C'est bon pour vous? Ah ouais, c'est bon, on te suit. Hein. Ben oui, moi c'est bon. Je te demande pardon. On ne pardonne plus. Personnellement, la ref. Non, c'est vraiment des filles. Gofo. On retrouve ta bande, Targess. Eh, c'est Gofo ou Gofre? Yes. Il faut que je parle à ce bonhomme. Yes. Faut que tu parles au gars des soupirs. Réunir les princes, ok, ouais. Bref, si on m'aurait dit que j'allais devenir un imitateur de qualité, j'aurais pas. Apprendre le mimétisme des arcanes. C'est comme ça que devient la compétence élite de l'allié visé. Hein ça. Il y a des sorts intéressants là-dedans. Ouais, il faut regarder un peu. Quoi, il y a un marchand de compétences dans le coin là. Vous avez deux flèches en même temps. Vous ne tirez qu'une flèche si vous êtes enchanté ou soumis, d'accord. Nul, j'ai rien. Nul. Vos flèches en entre un moment où votre point de terme aurait dû de 40 pendant que vous utilisez cette compétence. C'est vrai, c'est un peu de truc pourri quand même. Mais ouais. Oui, ici, vous pouvez prendre un livre. Vous dites une preuve écrite, c'est j'aimerais un exemplaire vierge de crépuscule. Ah, la chapelle de secret, c'est pas là où on passe pour aller au DOA. Grande porteur. Non. Enfin, si. Qu'est-ce qu'un porteur? J'aimerais devenir un sujet. Ah, ok, ouais. Script des porteurs. J'aimerais beaucoup. Que dois-je faire? Une preuve écrite. Voilà, et tu lui demandes l'exemplaire vierge de crépuscule. Et après, tu lui redis une preuve écrite et tu peux payer de la thune pour.
Bonne idée, payer 500 pièces d'or, ouais. Voilà, il te le met à jour. Là, donc j'ai un bouquin, là, c'est ça? Voilà. Et ça sert à quoi, le bouquin, là? Quand tu l'auras complété, ça te donnera plein de points et de l'argent. En fait, quand tu finis Nightfall. Yes. Bon, je vais le garder, là. Bonne idée. Alors, j'en suis où? Réunir les princes, il doit faire rencontrer Kehani dans la vallée de Vatendi, obtenir une invitation au festival de Lys. Ouais, okay. Ouais, tu... Un saut de capture Oui, tu as un saut de capture. J'ai toujours. Le kit, t'as un saut de capture. Non, Dark, t'as un saut de capture aussi? Pourquoi? On va rencontrer un boss ritu. Mais si t'as pas envie de l'élite, parfait, non, c'est pas un élite fou. Mais moi, je suis en voûte. Non, c'est un ritu qu'on va croiser. Ok, bah je prends la place de l'armure dans la passive, c'est bon, j'en saute de capture. Mais moi, je suis en voûte, hein. Je suis pas ritu. Mais on va croiser un rôdeur aussi pour toi. C'est pour moi. Ok. C'est pour moi, c'est pas pour oui. For me, for me. Attends, qu'est-ce qu'il dit J'ai Kitarche. T'as un peu tout moi-même. Qu'est-ce qu'il a fait Kitarche là? Elle a droppé une rune. Santé plus 30. Oh, je crois que c'était moins une 50. Ah, mais si c'est en Eden, c'est bien. Ah ouais. Une santé plus 30 en Eden. Je sais pas si c'était en Eden, mais... Non, je pense pas, parce que c'est pas son perso Eden. Ouais. Non, non, il est plus en Eden, donc je pense pas que c'était ça. Mais la rame de c'est quoi cette musique que j'ai chantée? Saloperie de moustique là. Oh. J'aimerais bien le choper, mais. Attends, tu vas finir comme ça, et ta voix, tu vas te faire et tu vas rien pouvoir faire. C'est quoi, mâle ou femelle? Mâle ou femelle? J'en sais rien. Bon, à partir du moment où il est là, je le tue. Ah, ah, je vais mourir. Non. Mais non, okay. T'inquiète. Mortel. C'est assez reconnaissable entre un mâle et une femelle. Les tout petits, c'est les femelles. Ou avec des longues pattes, c'est les mâles. C'est ce qu'on appelle les cousins. Ah, les cousins, c'est les... Mais non, c'est pas la même espèce, ça. Si. Ah ouais, ce sont les moustiques mâles, ah bon, et eux, piquent pas. Ah bah alors là, c'est... Oui, c'est... effectivement, c'est un petit, alors. C'est une femelle. Je pensais que c'était pas la même espèce, moi, mais je savais que les cousins ne piquaient pas. Donc je les écrase pas, de toute façon. L'indignation. C'est quoi, je vais jouer en tailleur? En tailleur? Ouais. Comme ça, je le vois s'il arrive sur mes jambes, quoi. Chiffon, ça, c'est un écrou. Et ça, c'est un micro. Ouais. On va aller voir un boss ritu. Hein. Merci. Bah, quoique, je suis pas sûr à 100% qu'il se... si je crois qu'il est là. Je suis pas sûr qu'il soit forcément là quand il y a la quête, mais. Ouais.
De quoi, ouais. Ouais. Quand tu tues un mec, il y a plein d'autres qui arrivent, quoi. Oui. Oui. Oh, oh, je suis un dégueulasse. Ah, GG les dingues. Eh ouais, Greg et le Yen, en gueule. Merci beaucoup. Et j'aurais pu dire autre chose, ça serait très vu, vite. Vu en esprit mal placé. Et on peut remplacer le beaucoup par beaucoup. Ça fait bizarre quoi. Remplacer beaucoup par Goku. Alors par contre fais gaffe parce qu'il y en a, c'est des bébêtes. Mais tu vois les gros trucs qui les behemoths, Ah non, les. Tu vois, serviteur. J'ai interrompu. Tu viens piquer mes bébêtes quoi. Restez gros pire, Oui, putain, ça se voit, c'est bien. Yes, j'ai le rift. Attends, y'avait quoi? Il est en train de faire une bébête alors. Oh, wow. Il a du boudin s'il est en train de bébé. Bah, s'il fait des bébêtes, il me prique mes bébêtes, hein. Faut que je le rupte. Bah oui. Oh, y'a un éclaireur. Ok, merci. Non, on va changer de zone de toute façon. Ça c'est bien quand tu fais du HM, quand tu fais du nettoyage de zone. Yes. Attends, rentre pas, je regarde ce qu'il a de beau. 427, 22. C'est bon, tu peux rentrer. Merci Nao. T'inquiète. Attendez, j'ai identifié. Pour une fois que j'arrive à le dire avant que tu passes, que j'ai réussi à anticiper. Ouais, bah, c'est pas pour rien, mais que j'ai douté, c'est un peu de la daube. Hein. C'est du Rikki 13. Hein. Ah, je suis pas sûr que le Rikki soit là. Je crois que comme il y a la quête, il est pas là, mais on va voir. Qui tente à rien, c'est... Le rôdeur est là 100%, mais le métier, je sais pas, ça. C'est le guerrier, là-bas, je crois. Ouais. Allez.
De toute façon, après cette quête, on arrive à la COP solo. Oui, bah oui. On va pas un peu retourner sur nos pas. Attends, je suis ma d'orgueilleux. Oui, c'est bien le guerrier. Donc non, le rituel n'est pas là. J'ai dit une connerie. Il est là normalement. Le groupe là. Wesh, il y a des grenouilles, des familles. Oh, je lui ai fait une blague et il la connaissait pas. Mais pourquoi tu fais autant de comptes hein? Dargas, c'est Dargas, il a 8 comptes. Hein. Ah oui. Bon, après, quand on aime, on ne compte pas, hein, j'ai envie de dire. On ne compte pas, bien sûr. Ah oui, c'est ça le but de la blague. Yeah. Oui, mais je l'ai relevé de nouveau, tu vois. Et peut-être parce que. Ah, parce que peut-être qu'un jour, il n'y aura plus aucun joueur sur. Sur Guild Wars, donc pour faire les copains 8, s'il n'y a personne, c'est ça. Hein. Ouais. Mais il peut pas contrôler 8 persos en même temps. Il a que 2 mains. Oh, c'est un petit clonage et puis c'est tout. Hein. Il veut faire. Incroyable. Incroyable. Du coup, on va faire juste un petit détour pour aller choper ta compétence. Ok. Mais tu rachètes des comptes à qui? Tu rachètes des comptes à des mecs? Comme ça que tu fais? Pas de bot. Surtout, je vous fais défense à la gueule. C'est quoi la compétence qu'il faut que je trouve? Je crois que c'était. C'était pas de furie qui avait ce boss-là. Dès qu'il retourne sur l'âme. Non, c'était pas contorsion d'âme. Choqué avec un autre. Voilà. Est-ce qu'il est ce boss? Il me semblait qu'il était là quelque part, mais. Ah oui, il est là. Ouais, il y a du monde là. Mais oui, c'est arrivé sur le côté là.
Il est où ton boss, là? Il ne l'est pas. Putain, mais ils bougent tout le temps les bonhommes là. Oui, c'est des grenouilles. Nous sommes avec Nao, s'il vous plaît. Vous êtes prié de bol. Richesse me tend les bras. Ironique, bien sûr. Regarde pour elle. Je n'avais même pas vu le langue bleue. De gros blocs de pierre qui me tombent par la gueule dans ma rue. Ouais, un boss qui tue, hein. Non, ça c'est un boss rôdeur. C'est le boss rôdeur de... Ok. Le boss qui tue, j'ai dit, il était pas là. À cause de la quête. L'attaque féroce. Wow. Attaque de famille d'élite inflige 15 points de dégâts, vous gagnez de l'adrénaline et 4 points d'énergie. Ouais, c'est bien si je joue au corps à corps, ça. Oula, t'es pas avec nous, l'équipe. Ah non, je ramassais. J'étais en train de lire la compétence. Bon, il se passe quoi là où il y a la marque du voyageur là? Il y a un event là? Ouais, il y a un event. Tu veux absolument une compélite d'art? Parce qu'il y en a une par là, mais. Ça dépend. Oui, quoi? Ça dépend de ce que c'est. Bon, on sait pas, hein. C'est un truc pour faire plus de dégâts avec tes attaques. Donc, mais si, c'est bon, allez, on y va. C'est quand même bien, allez. Ouais,
Là, on va pas trouver le boss. C'est le groupe qui est là-bas? Ah non. Oui, il y a un trésor dans la zone aussi, c'est vrai. Un trésor? C'est vrai, il y a les trésors. Là. Ah ouais. Ah ouais, ça m'intéresse. Ah ouais, carrément, là, tu nous emmènes à des endroits chauds, là. Des éthers, et ils se restent tout le temps. Hein. Ah oui, logique. Trésor, dit éther. Là, je crois qu'on va te laisser... Et où ton putain de boss est qui, là? Il est au fond, là-bas. Ah, mais bien sûr. Je te jure, c'est pas un travail. Je suis pas là-haut. Pourquoi tu dis ça? Tu crois qu'on va pouvoir faire des heures et... Sinon, il y a des jeans à droite. Ah, il y a encore des éthers. Donc le boss est là. Donc soit on l'attire par là, soit vous voulez qu'on tue ça peut-être d'abord. On peut peut-être l'attirer, je pense. Et essayer de l'attirer. Ouh là là. Vas-y, je prends là. À la limite, rush toi. Zef. Oui, c'est ce de Ginger là le. Ouais. Ouais. Ah, tu me cliques un poids, ça est le faux, alors que... Capturer son élite. Parti pour la capture, force de l'esprit. Capturer. Maintenant, on se casse. Et on va chercher le coffre, du coup, si vous voulez. Enfin, le trésor. Oui, je veux bien. Le coffre à trésor. Ouais, je veux le trésor. Je suis Nao. Reste concentré, Dark. Vas-y, tu peux rusher, Zef. Ouais, t'inquiète, Zef. Désolé, mais... Là, je vais en l'air, moi, le t'aimes bien Dark hein. Dès que t'arrives vas-y on lui tire dessus. Ça change de cible. Ouais. Collatéral on va dire. Ah bon? Bah j'ai pas entendu. Il a pas sonné mon téléphone. Je sais pas que tu m'as appelé. Bah tu m'appelles de tout à l'heure, tu m'as appelé deux appels.
Ouais, vas-y, je finis ça et j'arrive, je ferai une pause. Elle pose, c'est vite. Là, de toute façon, on tue ce groupe-là, on prend le trésor et après on peut aller la vie. Il n'y a plus d'ennemis sur le jeu. Donc on en a pour en max 5 minutes encore. Vas-y, tu peux y aller, il n'y a pas de debuff. Bref. Et alors, il y a un boss moine là, qui fait cette attaque. Ah ouais, ok, je suis dessus. Je vois. Et alors, le trésor est là-bas au bout, mais on va tous le toucher plus ou moins en même temps. Parce que dès qu'on le touche, il y a plein de mobs qui pop et on risque de wipe. Donc au moins que tout le monde ait le temps de cliquer dessus et de ramasser son cœur. Faut le toucher en même temps. Ah, bah il a touché, touché, touché. Pas wipe. C'est bon, on n'a pas wipe. Vive la double graine. Moi, j'ai même pas touché, moi. Et il est où, là ? Perdu Zef ? Ouais, j'ai eu un calice de... Je gagne du temps pour Lucky, mais je crois qu'il doit valider un truc. Ah, ah. Ah ouais, là-bas. Tout là-bas. Donc, Ah ouais, on a perdu Zef. Je crois qu'il faut qu'il prenne sa douche, Lucky. Bah j'ai du sang, bonus supérieur. Il y avait un lézard qui était perdu. Yes. Pour ça, il n'y a pas de lézard. Oh là là, tous les héros qui étaient stuck là, j'espère qu'ils vont réussir à passer. Alors, tout va tirer. Ah, oh, agro. Agro, gros, agro, à tôt. C'était cool tout ça. Ah, si tu fais les chanteurs en premier, reste tout le monde.
Ok, ça passe. Bon, c'est où? Faut que j'aille au milieu là-bas parler à un mec. Ok. Yes. Faut que prendre ta douche dans la fontaine. Putain, là-bas, il a pas. Il a perdu ses tapis. Là, c'est vraiment un sacré délire, ces tapis. Aladdin. Aladdin. Donc vous pouvez cliquer sur le truc fontaine de liste. Si un le fait, c'est bon pour tous. Ah, je ne sais pas. Ah, mais oui, c'est vrai que t'as la quête, toi. J'avais oublié. Bah, je sais pas. Allez voir la princesse Zala afin de jeter un œil à la fête. S'offrez. Je sais pas trop où il veut que j'aille voir. Ouh, on va devoir protéger la zone, je pense. Oula, il y a quelqu'un qui charge là. Yes. J'ai la vidéo. Bienvenue au jardin de. Bon, je vous reprends. Le plus bel endroit de vos habits. Je reprends. Cette fête est en l'honneur du jour de. Kiku, tata, tata l'énergie, bijou, bijou, bijou. J'arrive, je reviens. Faut que j'aille, ouais. Faut que j'aille voir ton fils. Le prince Arthur, puissant, et ses vaillants capitaines sont en route depuis la citadelle. Le prince Métou le Sage est accompagné de ses érudits et de sa fille. C'est Talcora. Oui, la princesse Talcora, la fille de Métou. Vous l'avez-elle cachée? Et le prince Bocal, le magnifique, est présent, lui aussi. Ça ne devrait pas être trop dur de leur parler. Mais on ne s'adresse pas à un prince comme ça. Allez parler aux membres de sa cour et remontez peu à peu jusqu'à lui. Ça m'a l'air plutôt compliqué. Vous préférez affronter des monstres? Fabi est certes civilisée, mais elle n'en est pas moins dangereuse. Oui. Voilà, nous sommes à l'avant-poste. D'ailleurs, j'ai un petit tips pour éviter de payer trop cher pour les derniers. Ah, de toute façon, je pense pas qu'il va la faire maintenant. Oui, s'il l'a fait en stream, on lui indiquera. Il faut aller tuer la petite. Ouais. La petite dame. Là. Ah bah tiens, je suis passé niveau 20. Oui. Tiens, c'est niveau du sort. Au revoir, attends. Je suis niveau. Ah, ça y est, me revoilà. Ah, pardon, je vous ai fait un peu attendre. Heureux. Quand les enfants ils appellent, faut y aller. Hein. Mais je sais pas, moi j'ai mis mon. Il n'y a pas de son dans mon téléphone, c'est quoi ce délire? D'habitude. Ah bah non, il était en sourdine. Ah bah tout en sourdine, mais comment ça fait que tout est en sourdine? Pas de soucis, Dark!
Le sous-saï. D'ailleurs, si vous faites la coffre, j'ai un tips à vous passer. Hein? J'ai un tips à vous passer pour éviter de tourner les 5K. On vous demandera. Ah, la cop solo là. Ouais. De toute façon, tu vas pas la faire ce soir si le Je sais pas, attends, regarde les princes, je dois faire quoi déjà là. Tu veux parler au mec qui donne. Pour votre récompense, allez voir KHK, l'organisatrice, allez où elle. Allez là. Ouais, mais bon, enfin. Ouais, c'est pas ici ça. Ah ouais, là, si j'ai une invitation, ça lance la COP. Ouais. C'est ça? Oui, après, il faut encore valider, et après, ça te l'avance. Perso, je dirais... Viens-le dans le gaz. Après, c'est... C'est moi qui ai mis ton téléphone en vibreur un matin où les notifications risquaient de te réveiller. Ah... T'as pris soin de mon sommeil. Du coup, ouais, c'est vrai que tu m'en as fait en boucle. Non, mais si t'es fatigué, on refera jeudi. Normalement, jeudi, c'est bon, je suis là, je devrais pas bouger là. Je devrais être vraiment là. Non, je devrais pas. Ouais, on verra jeudi alors. Moi, de toute façon, je vais arrêter aussi là ce soir. Parce que le petit tips, ça fait longtemps qu'il est là. Longtemps. Non, mais on verra ça jeudi. On verra ça jeudi. Puis voilà quoi. Oui, non, mais y a pas de souci. Non, mais c'était pas. C'est une bonne part, une bonne partie. On a fait pas mal de choses là, quand même, non? Refuge, fissure de Modoc. On a avancé jusqu'à là. On a fait un bon bout de chemin là, quand même. Hein. Oui, ouais. On a dévoilé quoi? La chapelle, la terrasse. Ouais, ouais. On a fait pas mal de trucs là. Franchement, ouais. Ce soir. On a été productif. Ouais, ça c'est clair quoi. Bon, eh bien écoutez, bonne soirée. Ok, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Et merci à tout le monde. Merci à vous tous les viewers. Je vous fais des gros bisous. Merci Zef, merci Dargas pour cette petite sortie. C'était super sympa, merci Nao. Merci. Qu'est-ce qui a joué avec nous? Bah Dark qui est toujours là aussi. C'était super bien sympa. Sinon, restez un petit peu là, j'ai essayé. J'essaye tout le temps parce que je suis toujours aussi mauvais. Je vais vous raider. Lancer un raid sur une chaîne. Y a-t-il des joueurs de... Ah non, je sais pas. Il n'y a plus personne qui joue à 1, 2, 3, 4... Comment on appelle ça? Ah, j'ai aucune personne qui joue sur... Je sais pas ce qu'il fait TFR. Je vous envoie chez TFR, j'aime bien, il est sympa. C'est un ami à moi en plus IRL. Allez hop, je vous envoie là-bas. Il regarde du Dragon Ball. Oh. Allez, je vous lance chez Monsieur Dragon Ball. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Je vais vous sortir de là, je vous sauverai. Je vais vous ramener au palais et vous prendrez des haricots. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir Dragon Ball, ça vous dit? Tu veux déjà prendre congé? Tu sais que tu as besoin de mon autorisation. Ça va être sympa. Ah si, Olva. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas vu, Olva. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Eh ben non. Il a disparu. Quelle étrange technique. Je me demande bien où il a appris à faire ça.
le retard. Hey, coucou Lucky, je m'envoie dessus. Et bonjour les raids. Bonjour à Terrain. Merci pour ton raid et bonjour les raiders. Il n'a pas pu aller très loin. Bienvenue à tous, on est sur Dragon Ball Z là. Avant dernier épisode de la soirée. Bon, tu as mon petit. Bien, monsieur Lucky. On est sur les animes comme le mardi, tous les mardis et tous les jeudis. C'est toi que tu faisais de beau, mon maman. Qui ça? Qui là? Krilin? Qui là? Mais où? Qui là? Où ça? Où ça, mon chéri? Krilin, Krilin. Ah bah oui, Krilin. Oh, mais oui, mais oui. C'est bien lui. Bravo. Tu l'as repéré tout seul comme un grand. Oh, tu es un vrai petit génie, mon chéri. Formidable. C'est bien le fils de sa maman. J'espère que ça s'est bien passé, du coup. Bulma, on n'a pas de temps à perdre. Il faut que tu me donnes le boîtier de télécommande. Ah oui, oui, bien sûr. Les voilà. Merci, mais est-ce que tu peux me dire comment l'utiliser? Naturellement. Alors, pour qu'il fonctionne correctement, il faut être à moins de 10 mètres des cyborgs. Une fois que tu les as dans ta ligne de tir, tu appuieras là. 10 mètres? Et puis le rouge, c'est le temps rouge. C'est risqué de les approcher de si près. Oui, je sais bien, mais en si peu de temps, j'ai pas pu faire mieux. Oui, merci, Bulma. J'en prendrai le plus grand soin. J'ai confiance en toi. Non plus que Lolo Repen. Eh ben ça, faut voir avec Lolo. Ah, au fait, j'ai reçu les tenues de combat que j'avais commandées. En plus, il a changé de PC, donc il devrait pouvoir jouer. Est-ce que tu peux les prendre avec toi? Elles sont très légères, alors tu les prends? J'en aurais pas besoin. Par contre, sans beaucoup, oui. Il se trouve au palais du Tréau. Est-ce que tu peux aller là-bas pour les donner à Sangoku? Le palais du Tréau? C'est celui qui se trouve juste au-dessus de la tour de Karine? C'est ça. Bon, très bien. Je vais aller lui le porter. Je n'ai rien d'autre à faire. Et toi, pendant ce temps, tu pourras aller détruire les cyborgs. Oui, merci. Allez, en route pour de nouvelles aventures spatiales. Petit cri-cri là. À côté de n'importe quoi. Oui, bien sûr, Frank. Salut. Caché, c'est 18, tu l'auras jamais. Est-ce que vous vous sentez mieux maintenant? Les haricots vous ont redonné des forces? Oui, bien sûr. Ces haricots ont un effet immédiat, ils sont très efficaces. Ce n'est pas une raison pour te battre, comme tu l'as fait contre celle. Eh ben, vous savez pas où c'était du souci? On a bien cru qu'il allait vous arriver quelque chose. C'est un vrai miracle que vous soyez encore en vie. J'ai eu peur. Vous savez, ça n'a pas été une partie de plaisir. C'est celle d'une créature très puissante. Je ne vois pas qui pourrait le battre. Même toi, Sangoku. Même toi, tu ne pourrais pas. Ni toi, ni Vegeta, il est trop fort. Hey,
Quoi? Sangoku, viens vite, Vegeta et Trunks vont sortir une seconde à l'eau. De plus,